Bon, il prend le temps de dire que dans le fond, il n'y avait rien. Mais vous avez clairement vu le bucket. Fait que vous le savez, là. Puis vous le savez qu'il est en train de mentir, dans le fond. Pourquoi tu mens? Prends-le dans ton petit pot! Moi, je m'en vais le chercher, fait bon. Prends-le dans ton petit bucket! Fait que c'est dans l'eau, hein, tu le sais, ça? Moi, je le pose dans l'eau. Je pose que je dans l'eau. Fait que Inculator. Inculator, il sort dans l'eau, ok? Puis Bard aussi, il prend le temps, il sort dans l'eau. Fait que vous nagez, ok? Parce que, tu sais, comme il a quand même botté à celui-là. Fait que, dans le fond, vous êtes en dessous de l'eau, là. Mais Inculator, il semble rien trouver. Il n'y a rien de spécial. Mais dans l'autre sens, par exemple, Bard, il trouve pas le pot non plus. Mais il voit comme. Il y a comme. L'eau, elle va dans une direction distincte. Ben, moi, je trouve que c'est long, fait que je suis dans l'eau. Ok, tout. Ben toi aussi, tu remarques pas encore rien, à part pour les deux gars qui sont en train de nager dans l'eau. Ben, je remonte à la surface, puis je fais genre, bon, ben fuck that, hein. Je prends mon tambour, puis je saute sur mon tambour pour faire un boost, genre. Genre, boum! L'eau à vol! Mais. Pourquoi l'eau? Es-tu retardé, ce gars-là? Tu fais genre ouais mais dans le fond je veux dire il est-tu à être retardé mais dans le fond ça se pourrait fait que je pousse un référé dans l'eau genre ok tu le pousses dans l'eau mais tu le pousses tellement effectivement là qu'il tombe vraiment loin mais genre juste à côté de où que Barbie et Inculator y était c'est comme directement parfaitement là. Ok ouais. Je comprends pas la fin de l'eau qui vole c'est pas grave ok là on vole il faut pas checker ça mets une flashlight ou quelque chose. J'ai pas de sort de lumière. Ah, j'ai un sort de lumière, ok, ça va être chill. Ah, comment est-ce que let's go! Let's go! Ben, moi je rentre dans l'eau. Fait que là, t'es en train de nager dans l'eau, ok? Puis là, t'as ta flashlight, t'en fond. Tu regardes comme autour de toi. Tu te rends compte qu'il y a un trou, puis l'eau elle a l'air d'aller dans cette direction-là, ok? Mais le trou, il est vraiment pas gros. C'est gros comme un ballon de basket, dans le fond. Le trou, il est pas tant gros. Ok, j'essaie de remplir mon tambour d'air. Ok. What the fuck? Ouais. Je veux pas d'applaudir, je suis marié. Ouais, exactement ça, je veux faire. Attends une minute, là. Fais un rôle de... Fuck you, je sais pas. Fais un rôle d'intelligence. Intelligence, oh. Oh, 18 plus 1! 18 plus 1, ok. Ben, apparemment, tu connais tellement bien ton tambour, okay, que tu prends le tambour, là, puis là, tu connais que ta tête va passer exactement. Fait que là, tu sors ta tête en haut, ok? Non, pas ta tête, tu sors le tambour en haut. Puis après, tu le mets sur ta tête, ok? Puis là, ça se seal parfaitement, là, fait que ça fait une poche d'air vraiment bonne. Puis là, tu sais que tu peux nager. Par exemple, tu peux pas voir où tu vas nager. Ok, je remonte dans l'eau, puis je vais montrer mes nouveaux cool tricks à Alt. Hey, dude! Look at my cool tricks, bro! Moi je dis rien là. Come on bro, c'est tellement cool! C'est fou, je vois le cool bro! Je dis rien encore. Dude, y'a genre! Y'a de l'air plus genre! Je viens de créer une nouvelle invention! Ok, j'ai une idée de fou, ok? Unculator, y'a une massue, right? Ou un genre de bat ou whatever là? Là, il est sûrement pas venu derrière l'eau, certain, je peux jamais voir. Ok, avec mes nouveaux cool tricks, ok? Je mets mon tambour sur la tête d'Inculator. Après, je lui fais aller en dessous de l'eau juste pour Dredd en partant montrer mes nouveaux cool tricks. Après, je lui dis de péter le petit trou bizarre avec son bat fucked up. Est-ce qu'Inculator sait qu'il y a un trou, man? Who gives? Je vais lui montrer avec la lumière. Mais il peut pas voir qu'il y a un tambour dans cette affaire. Est-ce correct? Je vais lui montrer. I will show you the way. Ok, vous descendez en bas. Puis quoi que Inculator il peut pas voir, il est en dessous de l'eau là, mais il sent que les vagues ils commencent à pousser vraiment dans une direction distincte. Puis là il y a Bard qui prend ta main, ok, puis il te montre comme un peu la direction générale de où que le trou il est. Tu sais que toi tu peux pas rentrer dedans. Fait que tu sors ton massue, mais vu que ton mouvement il est moins vite, t'essaies de frapper vraiment fucking fort. Mais quand tu frappes, ça fait une craque genre autour, mais ça le brise pas vraiment. Mais tu sais comme, tu sais que si tu frapperais plus, ça finirait par briser. Mais moi je dis que je remonte à la surface pis je propose Ferric de rentrer dedans. Fait que Ferric, you wanna go? Ouais. Let's go. Ouais, c'est bon. Ouais. Fait que... Quoique... Est-ce que tu donnes... Ok. Bon, c'est correct. Fait que tu vas dans le trou? Ouais. Alright.
Fait que là, tu commences à descendre. Là, comme tu descends dans l'eau, là, tu vois le trou de qu'est-ce que les autres gars font. Fait que là, tu rentres, là, puis là, tu commences à descendre. Mais comme à un certain point, tu te rends compte que t'as besoin de respirer, genre. J'ai pas besoin d'être ça, moi. Oh my god, il va crever. On commence à rouler des dés. Tu continues en avant? Il y a ce pérou-là, c'est une affaire de pression, pis c'est genre de l'air dedans. Genre, moi, respirer. Oh my god, même pas de besoin de rose d'intelligence. Le trou, il a l'air d'être fucking loin. Il continue, alright. Fait qu'il continue. Arrivé. Plus qu'il va, plus qu'il commence à avoir la vitesse, mais le moins que sa vision continue à avancer. Fait que là, il avance, puis à un certain point, il perd conscience. Je pensais pas que Ferry a perdu connaissance. Là, moi, j'essaie de prendre la corde, puis d'attacher une gamelle pour que la corde descende dans le trou. Fait que, dans le fond, la corde, là, tu le sais pas, ok? Mais la corde, ok, elle va parfaitement, ok, sur la jambe de Ferry, ok? Puis là, ça fait un vraiment bon grip, ok? Faut que tu sois capable de le retirer. Mais toi, tu le sais pas. Fait que l'eau, tu sais, comme ta corde est loin, là, tu sais que t'as pogné quelque chose, comme t'as pogné un espèce de gros fucking poisson ou quelque chose. Puis tu sais que si tu tires, tu vas retirer quelque chose, là. Fait que tu commences à le tirer là, puis ça vient tranquillement pas vite là, puis c'est en train de monter en haut. Ouais, puis là il remonte en haut. Puis là, comme tu finis par le sortir de là, là, okay. Sans problème. On a sauvé Féric? Ouais, mais il est encore inconscient. On sort Féric de l'eau, puis on le slap, puis on joue de la musique! Est-ce que vous le mettez, puis là il coffre là, puis il y a de l'eau qui sort là. Puis il y a de l'eau qui sort là. Mais, puis là il commence à revenir là, conscience, là, pis comme what the fuck happened là. Puis là il voit, il est sur la plage là, mais là il a pas grand mémoire à part il est rentré dans l'eau puis aller dans le tunnel là, pis c'est tout ce qu'il se rappelle. Ok. Ferric, tu vas prendre mon tambour dans ce trou là. On met une corde sur ton pied, puis admettons que tu tires deux fois sur la corde, on va te reprendre, ok? Ok. Let's go! On va checker qu'est-ce qu'il y a au bout du stupide tunnel, ok? Il va exploser. Ok. Fait que là, Ferric, ok, ce fois-là, il est pas mal plus intelligent. Là, il se dit, ok, je vais y aller avec la posture pour respirer. Quoi? Fait que là, il descend, là. Il a pas la posture, le tambour, là. Fait que là, il descend dans le trou, il sait pas ce qu'il va en avant. Mais il continue, puis c'est quand même vraiment long, ok? Fait que là, il continue pendant un bon bout. Puis après, il se rend compte que l'eau, ça l'arrête, là. Puis il sent comme l'eau continuer sur lui. Fait que là, tu continues, puis après, tu te rends compte que, tu sais, comme le. Plus que t'avances, ok, il y a moins d'eau, genre, mais tu peux quand même sentir l'eau sous tes pieds. Puis là, tu finis par comprendre qu'en avant de toi, c'est une chute, puis ça descend avec le son autour de toi, puis quelque chose. Mais tu peux toujours pas voir vu que t'as encore le tambour sur ta tête. T'enlèves le tambour, puis là, devant toi, ok, tu vois qu'en bas, c'est quand même assez gros, c'est quelque chose comme 10 mètres, je dirais 10 mètres, puis en bas, il y a comme une espèce de rivière. Mais devant toi, ok, tu peux pas voir parce qu'il fait quand même relativement noir, mais tu peux quand même percevoir que c'est une cave, là. Dans le fond, tu regardes, puis tu penses que tu entends comme quelque chose, mais t'es pas trop sûr. Mais tu sais qu'autour de toi, il y a tu sais, ça continue, tu vois juste du noir dans le fond, ok? Mais t'es pas trop sûr, puis tu sais qu'en dessous de toi, il y a une rivière, ok? Puis c'est quand même vraiment fucking bas. Ah, ben oublie ça, moi tu réfères quoi. Ok, c'est bon. Ben moi je le remonte vu que je suis vraiment rapide. Ah, c'est bon. Fait que tu le remontes en haut. Il y avait une chute. C'est ça. Hey, t'as-tu trop bu? Non. Il y a pas de lumière au bout du tunnel, là, mais il y a une cave. Fait que après que Ferry qui m'enseigne qu'il y a une cave, Jason il se rappelle, puis il fait oh oui! L'enfer, ok, qu'on avait vu plus tôt, il avait mentionné qu'il était dans une cave, à quelque part. Puis après, ça lui dans la tête, puis il a fait, hein, peut-être que les villageois sont au courant d'une cave souterraine, ou quelque chose du genre. Ok, ben là, moi je suis là, hey, on devrait aller voir du monde, là, puis savoir s'ils connaissent la petite caverne sous terre. La petite caverne, ok, vous pouvez faire ça. Let's go, on va aller voir du monde random! Fait que vous retournez au village? Non, let's go, on va juste aller voir le maire, Squid, on va juste aller voir le maire. Ah, ok, vous allez voir le maire? Hey, ça c'est smart, let's go, on va voir le maire pour voir si c'est une caverne du tard! Ok,